And maybe I'll first turn to you, Lionel, because Africa has obviously come as one of the regions that, despite its diversity and really came together in an amazing way in response to the pandemic. And could you elaborate on that and share a few thoughts on whether global governance will be regional governance, still has to be global in the future, and could be about health, but why not about all other issues that we deal with here at the WPC? Merci, Monsieur le Président. Vous m'autorisez à parler en français? Mais bien sûr, oui. Merci. Alors, en fait, vous m'avez demandé de me dédoubler et de ne pas être que moi-même dans ce panel. Et vous avez eu tout à fait raison, parce que un de mes collègues qui était très attaché à être présent aujourd'hui, Michel Sidibé, ancien ministre de la Santé de la République du Mali, mais surtout très marquant responsable, patron d'ONU-SIDA, ne pouvait pas être là physiquement, mais voulait être là intellectuellement. Et donc il m'a demandé de partager quelques messages qui vont tout à fait dans le même sens que ce que notre excellent collègue vient de dire. L'Union africaine a été complètement différente en 2020-2021 de ce qu'on pouvait penser et de ce qu'elle avait été auparavant, et est un exemple assez remarquable d'une réponse rapide et assez prometteuse. Alors Michel Sidibé me demande de vous dire que la situation est très préoccupante, au sens où nous ne sommes absolument pas prêts pour les évolutions, et en même temps assez prometteuse, au sens où il y a eu beaucoup d'innovations, notamment de gouvernance, dans la période actuelle, enfin, qui vient de prévaloir pendant 3 ans. Il me demande d'attirer votre attention sur un certain nombre de chiffres symboliques, mais quand même assez éclairants. L'Afrique n'est rien en matière de production, de distribution, d'administration, de capacité d'accès aux médicaments, aux traitements et aux équipements. Ça fait quand même beaucoup. C'est-à-dire que même si l'utilisation des vaccins en Afrique est devenue importante, 1% de ces vaccins sont produits par l'Afrique elle-même. Même si il y a un développement important, récent, des traitements et de la consommation de médicaments, 95% des consommations de médicaments sont importées sur le continent africain. C'est évidemment un record. En revanche, là où il y a des sujets proches du crime organisé, d'après l'OMS, 40% des volumes de faux médicaments dans le monde concernent le continent africain. Et on a clairement donc un système de santé publique, mais qui n'est pas simplement l'administration des soins, qui est la prévention, qui est la répartition pharmaceutique, l'accès aux médicaments, qui est l'équipement, qui est et reste profondément défaillant. Pour vous donner une idée, le marché pharmaceutique mondial, dans les chiffres de Michel, est de l'ordre de 1,4 trillion de dollars, 1400 milliards de dollars. Le marché médicaments, l'industrie pharmaceutique en Afrique, est un peu inférieur à 1 milliard de dollars. On est très en dessous d'un millième pour un continent qui rassemble quand même 18% de la population du monde. Donc on est véritablement devant des chiffres qui indiquent une situation extrêmement préoccupante. Et pourtant, quels sont les éléments prometteurs? Ils sont précisément dans l'évolution de la gouvernance. Il est vrai qu'on avait la chance d'avoir en 2020, comme président de l'Union africaine, le président du pays le plus avancé, quels que soient les paramètres. en termes d'équipement, d'accès aux soins, de laboratoires, de répartition pharmaceutique. Et il est vrai que, indépendamment de la gouvernance de santé publique, et donc une réponse rapide, il y a eu aussi dans le domaine de la dette, il y a eu aussi donc dans le domaine des conséquences économiques de la pandémie, des réponses également rapides et efficaces. Michel Sidibé est chargé de créer l'Agence africaine des médicaments, qui va être un progrès très important. Aujourd'hui, sur 55 pays membres de l'Union africaine, 2 sont considérés comme ayant des agences nationales du médicament qui soient de niveau international. Il y a un classement de l'OMS, 2, celle de l'Égypte, celle de la République d'Afrique du Sud, sont au sommet des qualifications. Ça laisse 53 pays qui sont en deçà de ce niveau. De créer cette agence, et il est envoyé spécial de l'Union africaine pour la créer, est très significative. Elle sera à Kigali, avec un support politique important. Ce sera une façon de prolonger tout ce qui a été dit du CDC, qui a été salué, je crois, par vous, qui a été salué dans le panel précédent, comme étant une institution qui a permis d'harmoniser beaucoup de choses en Afrique très très vite pendant la pandémie en 2020. Ça ira aussi dans le sens des plateformes numériques qui ont été mises au point extraordinairement vite avec le secteur privé, à l'initiative de l'Union africaine, et qui ont permis d'importer tout ce qu'on pouvait importer à des prix très bas, parce que c'était des plateformes numériques permettant d'avoir une vision complète des prix, en s'affranchissant des lourdeurs des marchés publics et en ayant des marchés continentaux et non pas des marchés par pays, et en ayant un mécanisme automatique de paiement financé par Afrexim Bank, c'est-à-dire un dispositif d'une efficacité incroyable. Efficacité incroyable, sauf que ce qui était incroyable, c'est qu'il n'y avait pas, dans beaucoup de domaines, notamment de la vaccination, d'offres disponibles. C'était différent pour les équipements, les respirateurs, les masques, etc. Mais pour les vaccins, on a eu quelque chose qui, j'imagine, va être l'objet du traité sur la pandémie, un protectionnisme incroyable, et l'Afrique a été la grande victime du non-accès, en réalité, au vaccin. Mais du point de vue de la gouvernance et de l'efficience, on a eu une réponse très complète et tout de même extrêmement rapide, puisqu'elle était opérationnelle à l'automne de 2020. Je n'ai rien à ajouter à ces deux constats. C'est très préoccupant, mais assez prometteur en termes d'institution, et plus que l'institution de passage à l'acte, si ce n'est que je crois qu'il faut, il faut souligner que le secteur privé, vous avez évoqué l'idée qu'il y aurait de la coproduction de la gouvernance avec le secteur privé ou le secteur, disons, associatif des grandes fondations, ou la capacité de réaction du Fonds mondial qui a inscrit le Covid très très rapidement dans ses priorités à côté des autres grandes pandémies. C'est aussi tout un secteur très important. Et juste un témoignage comme banquier d'affaires, comme financier aujourd'hui, évidemment, il y a une mobilisation importante de fonds et le secteur privé réagit avec des perspectives d'investissement très, très significatives dans l'ensemble des compartiments du healthcare, de la santé publique et évidemment sur les vaccins. Mais là encore, nous travaillons par exemple avec la Fondation Bill et Melinda Gates, parce qu'il nous faut des moyens d'ensemencement financier, de seed money, et avec la Fondation Gates, on est en train de les déployer pour créer un tissu de PME, parce qu'il y a beaucoup de PME, des cliniques aux répartiteurs de pharmacie. Il y a, dans le secteur privé, beaucoup de ressources, sauf les ressources financières, sauf les ressources en capital, et aujourd'hui, c'est un compartiment important du développement financier. Merci. Le secteur privé existe. Merci. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais dire ici que les évaluations à la fois du panel financier du G20 et de notre panel indépendant sont que pour la préparation aux pandémies, les besoins seraient de l'ordre de 15 milliards par an, avec la possibilité aussi d'avoir une sorte de réserve immédiatement mobilisable de 50 à 100 milliards. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ces sommes sont évidemment, comme vous l'avez souligné, M. Zinzou, sans comparaison avec les 22 milliards de milliards du coût estimé de la pandémie sur les années 2020-2025.